dans quelques jours à venir, nous avons une période cyclone. Là. Dans nos prochaines masses, depuis la pluie tombée, après quelques minutes, une masse inondée. Il faut que nous capables de gagner des temps d'évacuation qui a permis de déplacer les gens qui sont sur une masse pour mettre dans des abris. Et ça n'a dit là, il est valable pour tout pays. Parce que les saisons cyclones privées, il faut que nous ayons des espaces pour évacuer les gens qui sont vulnérables. Et je dis, tant que il n'y a pas qu'à répondre à ces cyclones. Et nous, par exemple, la vie à Palto de Nation Massa, l'eau a monté n'importe 50 cm. Et dès que l'eau a monté 50 cm, il faut que nous déplacer. Le ministère travaille tout avec l'autre ministère. Tout à l'heure, parlé sur la construction qu'a fait dans le pays, il y a des constructions anarchiques. Le ministère a une attribution qui s'est veillé sur le logement, qui est veillé également sur l'abri du joyau, a travaillé de concert avec le ministère de l'Environnement qui est là pour faire une objection pour dire est-ce que la construction qu'a fait là, il va avoir un impact sur l'environnement. Il y a des gens qui ont construit un bassin versant, on a construit un bassin versant, on dit ça bien, les saisons cycloniques, ça va arriver. Gagner le ministère de la République là pour qu'il ait une autorisation de construction. Pendant que le ministère de la République a travaillé sur le code de construction, la mairie a plateau en même temps pour mettre veiller la population, veiller sur la construction. Il faut que le ministère a visité déjà 74 crèches, il a visité déjà 169 orphelinats avec un pile œuvre sociale. Nous visitons plusieurs camps pour qu'il y ait un pile de monde handicapé. Une pique peut être chargée que le ministère a gagné actuellement, c'est dans des camps qui ont des abris provisoires pour qu'il y ait des handicapés qui sont des gens très vulnérables. Nous avons des populations très solidaires avec eux parce que nous vivons ce mouvement-là, c'est une aider l'autre, une protéger l'autre, une veiller sur l'autre. Pendant que le ministère a travaillé de concert avec le secrétaire d'État, les handicapés, pour, dans peu de temps encore, nous arriver par le monde de la héberger, pas correctement, mais plus ou moins pour pouvoir vivre côté à bien. Parce que c'est une pique préoccupation du ministère actuellement. Nous avons quatre de coopération que nous avons développé avec le pays de la France pour être capable de faire des prothèses en Haïti pour permettre que nous ayons amputés ou des prothèses. Et quatre, ça va nous plusieurs avantages. Premièrement, on a bien expertisé en Haïti. Deuxièmement, la permettre que l'État subventionne et dans le temps qui s'est, nous capables même exporter et prothèses dans l'autre pays. C'est très important pour nous comme ça. Deuxièmement, on a travaillé avec le gouvernement thaïlandais qui va construire avec nous un village intégré qui est capable d'accueillir 200 familles. Cap bien l'église, centre de santé, l'école et place publique pour nous. Ministre, non, deux, alors, ça c'est pour 200 personnes, mais nous connaissons la quantité de monde qui a besoin aujourd'hui. Hein, et c'est 1,2 million. Oui, des marchés à continuer vers l'autre partenaire national ou étranger pour construire d'autres concepts. D'après l'étude que nous faisons, nous constatons que n'importe 30 à 40% de monde perd des jobs dans la société. Les gens qui vivent dans la pauvreté viennent vivre dans l'extrême pauvreté. Si l'habitat vit dans l'extrême pauvreté, à vivre dans la misère abjectement. Pour les gens qui sont en classe moyenne, maman ou papa qui est un petit caille pour lui, il va effondrer. Non seulement il n'y a pas de caille, mais il fait du travail. Ça veut dire que la situation de jour en jour devient plus grave. Mais la meilleure façon pour sortir dans cette situation, comme je l'ai dit déjà, c'est de faire à la population un encadrement psychologique. Je dis à tout le monde victime, tout le monde traumatisé. Deuxième barrière, c'est la création d'emplois à haute intensité de main-d'œuvre qui permet à la population bien l'argent en même pour lui acheter ce qu'elle a besoin. Nous toujours prenons un exemple. Première semaine après le séisme, aide de mal pour nous coordonner, aide de mal pour nous débattre. Mais la population était vivante quand même. Elle était mangée, elle était boue. Son petit réserve l'argent qu'elle a dans la poche qui permet à la marché pour vivre. Réserve la fini. Meilleur bagage que vous faites, c'est la création d'emplois. Pas de travail pour la population, jeune travail pour être capable de subvenir à besoin.